Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et sur vos chaînes de la TNT. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. D'abord, nous irons rencontrer des membres de la communauté Harki pour connaître leurs ressentis au lendemain de la demande de pardon d'Emmanuel Macron, le président de la République. Ils ont 11 ans et sont harcelés sur les réseaux sociaux du seul fait d'être nés en 2010. Un sujet pris très au sérieux par parents et enseignants dont vous entendrez les témoignages dans ce journal. Ça vous dirait de dormir dans une maison toute ronde? Eh bien, ce sera bientôt possible. D'étonnantes habitations vont être transformées en hôtels. On vous les fait visiter en exclusivité dans ce journal. Et puis, on finira par un très jeune champion de ski nautique qui se prépare au championnat du monde. Des images estivales, histoire de prolonger un peu l'été en ce début d'automne. Après la demande de pardon du président de la République Emmanuel Macron aux Harkis, Antoine Mihai et Charles Arrigoni de Via Occitanie ont tendu leur micro sur place à des membres de la communauté. Des réactions plutôt positives, vous allez le voir en Occitanie. La France se rapproche un peu plus de la reconnaissance de sa responsabilité dans la souffrance des Harkis. Ce lundi, Emmanuel Macron a demandé pardon à la communauté d'origine algérienne qui s'est battue pour la France durant la guerre entre les deux pays. Abdel est fils de Harki. Pour lui, c'est un terme fort et puissant. J'ai entendu aussi qu'il parlait de ne pas oublier. Pour ne pas oublier, il faut transmettre. Et pour transmettre, on doit être partie prenante. On doit également transmettre dans les livres d'histoire à toute cette jeunesse, à toutes ces générations, leur expliquer l'histoire de ces soldats de la France qui ont versé leur sang pour défendre justement ces valeurs républicaines. Emmanuel Macron a également annoncé une loi de reconnaissance et de réparation. Aujourd'hui, les associations représentant les Harkis demandent une revalorisation des pensions des anciens combattants. Voici plusieurs semaines que parents et enseignants s'inquiètent de voir fleurir sur les réseaux sociaux ce mystérieux hashtag 2010. Adrien Blétry et Céline Ercilia de TL7 sont allés à la rencontre de certains d'entre eux à Saint-Étienne pour la télévision de la Loire. Cette musique que vous venez d'entendre a provoqué des vagues d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux envers les jeunes nés en 2010. Deux élèves de 5e et de 3e à Saint-Étienne témoignent. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui l'écritent par rapport à cette chanson. Genre au collège, par exemple, il y a beaucoup de nous, comme les 4e, les 5e, qui viennent derrière et qui leur disent « Oh, Popite, oh, comment ça va, les petits ?» Au collège Claude Fauriel, on ne prend pas le harcèlement à la légère. Les élèves sont sensibilisés dès leur rentrée, sur les réseaux sociaux notamment. Aujourd'hui, après avoir reçu un courrier de l'éducation nationale suite au hashtag, le collège se mobilise une nouvelle fois. Il y a une cellule de veille, d'attention de ces élèves-là. Ils sont vus par l'infirmière. L'infirmière en ce moment est en train de mener justement ses missions auprès des élèves de 6e pour pouvoir sentir, en tout cas, nous dire que tel ou tel élève a telle ou telle situation ou vit des drames. Malgré ces efforts, beaucoup d'élèves se terrent dans le silence et leur quotidien est loin d'être agréable. Cousine, elle a un peu peur aussi. Parfois, avant la rentrée, c'était en mode de, j'ai peur d'aller, on va m'appeler la 2010. Des comportements fortement condamnés par le collège, le principal rappelle que les enfants ne doivent pas être livrés à eux-mêmes. C'est la responsabilité des parents, avant tout, lorsqu'on autorise son enfant à avoir un compte sur un réseau social. D'abord, il faut avoir 12 ans et plus. Et que les parents sont aussi responsables de ce que peuvent écrire leurs enfants. Pour soutenir les élèves nés en 2010, un hashtag Bienvenue au 6e a été lancé. Aujourd'hui sur Twitter, des milliers d'internautes le relaient encore. Et puis dans ce journal, des images d'une ferme photovoltaïque tournée par nos amis de la Dépêche sur place. 19 hectares de panneaux solaires qui viennent d'être inaugurés à Toulouse, en lieu et place de ce qu'était jadis l'usine AZF. Un lieu hautement symbolique, comme l'explique le président de Toulouse Métropole devant les caméras de nos confrères de la Dépêche. Donc. Hier, on était là pour commémorer les 20 ans d'un très très grand malheur qui avait semé la mort. Et puis ici, l'énergie renouvelable, l'énergie solaire, symbole de vie, symbole aussi de transition énergétique qui préserve les ressources de la planète. Et nous avons ici la centrale photovoltaïque la plus importante qui existe dans une grande ville française. Tout à fait. Autre chose dans l'actualité, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, et Roxana Maracineanu, la ministre déléguée chargée des sports, étaient à Ivry-l'Évêque en Sarthe pour promouvoir le sport à l'école.
Ils ont d'ailleurs eu droit à un accueil un peu musclé. Une visite racontée par Anthony Piton et Margot Bianco pour LM TV Sarthe sur place. Qui a eu cette idée folle un jour de casser l'école? C'est ce sacré Jean-Michel Blanquer. Cette chanson, c'est celle des syndicats enseignants. Même s'ils sont tenus à distance par les gendarmes, ils sont là pour passer leur message. On voulait simplement faire entendre à Jean-Michel Blanquer que tout le monde n'est pas dupe de sa com. Et on voulait lui remettre une très belle médaille olympique du saccage de l'école publique. À quelques mètres au-delà, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est en visite dans l'école Condorcet d'Ivry-l'Évêque. Avec lui, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Au cœur de la visite, une séance de relaxation pour les deux ministres avec une classe d'élèves. Mais leur présence, c'est surtout l'opportunité de décerner à l'école le label Génération 2024. Un label qui récompense les établissements scolaires actifs dans le domaine du sport. Alors aujourd'hui, dans cette école primaire comme dans d'autres, nous avons voulu aussi souligner l'importance de l'opération 30 minutes d'activité physique par jour. Parce que c'est pour nous un enjeu vital de santé pour tous nos enfants. Nous savons qu'il faut, pour les enfants comme pour les adultes d'ailleurs, eh bien, bouger tous les jours, avoir une activité physique. Une opération aussi voulue en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est un continuum, l'éducation au sport et l'éducation par le sport doit exister beaucoup plus fortement dans notre société. Et c'est ça aussi qui amènera de nombreux champions plus tard, mais aussi des Françaises et des Français en bonne santé. Parce que le sport, c'est ça aussi, c'est les émotions que le sport nous procure quand on le regarde, mais aussi quand on le pratique. Le dispositif a été lancé dans toutes les écoles élémentaires. Il est basé sur le volontariat. Et puis dans ce journal, nous reparlons des éoliennes. Elles sont loin de plaire à tout le monde, dans la vallée du Liget, notamment dans les Hauts-de-France. Jérôme Houbron de Wéo est allé prendre la température à leur propos. Et on peut dire que tout cela est un peu chaud, regardez. C'est chaque jour le même spectacle. Alors que Laura sort ses vaches en pâture, difficile pour elle d'ignorer la dizaine d'éoliennes dressées à quelques centaines de mètres de là. Le matin avant, quand j'allais chasser mes vaches, c'était tout calme. Aujourd'hui, on a un petit brouhaha permanent dans l'oreille. On entend parler qu'il y a des problèmes dans certains élevages. Leur nombre de plus en plus conséquent dans le secteur me font craindre qu'un jour, mon troupeau ait des problèmes de santé, quoi. La vallée du Liget, dans la Somme, compte déjà 18 éoliennes. Bientôt, deux nouveaux parcs pourraient voir le jour avec 12 mâts d'environ 130 mètres de haut. Depuis 2017, l'association AZEN Frenneville mène la révolte. C'est une révolte à Villers, mais aussi dans tout le Vimeux, parce qu'ici, on est submergé d'éoliennes. On en a partout. On en a 400 dans un rayon de 20 km. L'église gothique flamboyant côtoie déjà le charme moderne des éoliennes. Au-delà des nuisances visuelles ou auditives qu'elle dénonce, pour Colette Bourgois, c'est tout le patrimoine de la vallée du Liget qui est en jeu. On a des très très jolies maisons et même les constructions plus récentes, elles sont remarquables. L'église est déjà sérieusement impactée par le bloc des 18 sur Arguel pour continuer à en mettre. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on va avoir vraiment un barrage là. Dominique est bénévole au Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France. Habitué des sorties nature, le retraité connaît la richesse du mont d'Arguel situé sur une zone Natura 2000. Selon lui, l'implantation d'éoliennes aurait un impact sur les populations de certaines chauves-souris. Les effectifs depuis 2018 ont fondu, mais de façon incroyable. On était à plus de 200 en 2018, maintenant on est à peine à 130 en 2020. Selon la ZEN Frenneville, les deux projets éoliens nommés Rossignol et Haute Couture sont entrés en phase de recevabilité. 12 mâts qui s'ajouteront aux 2500 que comptent les Hauts-de-France, dont 960 dans la Somme. Des chiffres qui font encore mal. En France, les maladies cardiovasculaires sont à l'origine de 50 000 morts subites par an. Bénédicte Dohain de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, nous emmène maintenant dans ce journal découvrir l'Institut de rythmologie et de modélisation cardiaque de Bordeaux, un centre à la pointe de la technologie qui cherche à mieux comprendre et à traiter les dysfonctions électriques du cœur. Un véritable espoir pour les malades. Regardez ce sujet. À deux pas de l'hôpital Olévêque, l'IRIC est un institut unique au monde. Entièrement dédié aux maladies cardiaques, il forme chaque année plus de 250 professionnels et étudiants grâce à une technologie de pointe. Dans un premier temps, c'est d'apprendre les gestes, c'est-à-dire apprendre à manipuler les cathéters, à comprendre la relation qui existe entre
les images qu'ils peuvent avoir, donc les images qu'ils ont en salle d'opération, les signaux qu'ils vont observer sur les cathéters et la pathologie du patient. Donc là, en fait, on dispose de cœurs imprimés en 3D ici qui ont une texture relativement souple, qui fait penser aux textures réelles des cœurs. Et donc ça permet d'avoir une sensation qui est très proche de celle qu'on aura sur un patient réel. Les équipes de LIRIC participent actuellement à un projet européen de recherche. À travers cette étude, une révolution thérapeutique est en marche. 11 millions de patients pourraient être sauvés en Europe. Cette étude BITAIF, c'est pour nous l'occasion de démontrer de manière scientifique et irréfutable que cette nouvelle énergie, l'électroporation, permet de faire des interventions qui sont plus rapides, plus simples, plus efficaces et plus sûres que la technique actuellement utilisée en routine qui s'appelle la radiofréquence et qui consiste à brûler le tissu. Pour aller toujours plus loin dans ses recherches, l'Institut lance une campagne de levée de fonds. Objectif, atteindre les 10 millions d'euros d'ici 2024. Autre chose dans l'actualité et dans ce journal, plus besoin de chercher un emploi, il vient à vous, ou presque. Le bus de la Cité des métiers parcourt les Côtes d'Armor pour aller à la rencontre des personnes en quête de nouvelles orientations. Un sujet de Mathilde de Kemener de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme sur place. Je viens d'arriver dans la région. D'accord. Et donc voilà, je suis à la recherche d'un emploi, mais en même temps, j'essaie de voir pour me réorienter. Désormais, en Côte d'Armor, un drôle de camion traverse les campagnes. Il s'agit du bus des métiers. À son bord, deux salariés de la Cité des métiers. Loin de leur bureau, à Ploufragan, elles se déplacent désormais pour aider les personnes à faire leur CV, trouver une formation ou tout simplement trouver sa voie. À l'image de cette jeune femme, après une heure d'entretien, elle ressort avec différents outils. C'est très instructif. C'est du bien de se sentir un petit peu accompagné. C'est pas évident quand on cherche un emploi. Donc, voilà. Pour les territoires qui sont peut-être un peu plus excentrés, c'est pas toujours facile d'accès. Par exemple, qu'on n'a pas le permis ou qu'on n'a pas les transports en commun. Donc ça nous permet de rendre service et d'informer tous les publics partout. Ces entretiens sont gratuits et sans rendez-vous. Un concept innovant lancé par une structure unique dans la région, la Cité des métiers. C'est des volontés politiques, des volontés locales d'installer des cités des métiers sur le territoire. Les Côtes d'Armor ont été précurseurs. C'est quasiment, c'est une des premières cités des métiers qui a ouvert en France, dans les Côtes d'Armor. Lancé en mai, le bus a accueilli à ce jour 340 personnes. Il sillonne les Côtes d'Armor 3 jours par semaine. Les dates sont à retrouver sur le site internet de la Cité des métiers. Et puis dans ce journal maintenant, je vous propose de vous embarquer à bord de bateaux très spéciaux, ceux d'une association créée par des Caribéens en 2020 dans le but d'améliorer la conservation des cétacés à travers toute la grande région Caraïbe et même au-delà. Un reportage en haute mer signé Tom Gagnou pour Via ATV Martinique sur place. Deuxième jour d'expédition pour la CCS. Après une heure de navigation, la chance sourit enfin. Au loin, les chercheurs aperçoivent plusieurs ailerons à la surface. Donc là, on a des globicéphales tropicaux qu'on peut voir. On a un groupe qui est environ entre 10 et 20 individus. On voit qu'ils sont en train de se... ce qu'on appelle en resting, ceux qui sont posés. Les cétacés se dirigent vers le sud. Un instant magique auquel l'équipage ne peut rester insensible. C'est toujours aussi excitant, surtout que l'hydrophone a bien parlé ce matin et du coup on était vraiment frustrés de ne pas les voir, de les entendre. Donc du coup c'est vraiment une bénédiction et un joli cadeau de la nature. Oh, il est beau son aileron, allez. Depuis sa création, la CCS a pu observer des dizaines d'espèces de cétacés différentes. Au gré de ses expéditions, l'association récolte des données précieuses sur le comportement de ces mammifères. Et pour la première fois en Martinique, les chercheurs ont capté des enregistrements sonores d'orques. Les Antilles s'avèrent être une zone particulièrement intéressante. Si on regarde la totalité des espèces qui sont connues dans le monde, c'est-à-dire 91 actuellement, il y en a 33 qui ont déjà été observées ici. Donc ça reste une zone qui est très riche, puisqu'on a quand même un tiers de la biodiversité mondiale qui est présente dans nos eaux. Du coup, on va faire un petit point sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Pour donner plus d'écho à sa mission, Jeffrey a souhaité impliquer les acteurs locaux. Des scientifiques de la SARA et de la CEPANMAR participent aux expéditions. Ils sont formés sur le terrain. C'est une démarche stratégique, centrale pour pouvoir sensibiliser le public, en particulier les résidents de toutes les îles, montrer effectivement ce qu'il y a comme richesse
dans les eaux territoriales, de sorte à ce que le public s'approprie le sujet de la biodiversité qui subit une érosion très marquée ces dernières années. Dès lundi, Jeffrey reprendra son périple vers la Guadeloupe. Là-bas, il espère croiser d'autres espèces et récolter de nouvelles données. Et puis on reste en mer dans ce journal cette fois-ci. Il s'agit de la Méditerranée et plus précisément à Monaco, où le yachting se veut plus éco-responsable. Monaco Info, nos confrères sur place, mettent en lumière un programme soutenu par la Fondation du Prince Albert qui promeut des outils pour aider les plaisanciers à réduire leurs dépenses énergétiques et à mieux traiter les eaux et les déchets. La voie royale pour devenir plus vert. Regardez ce sujet. Le smart yachting est aujourd'hui un axe d'avenir pour la principauté. C'est une composante pleine de potentiel pour la transformation de l'économie et de l'attractivité monégasque. Les outils numériques occupent une place de plus en plus stratégique. Les plaisanciers veulent avoir du réseau, veulent avoir des supports électriques, veulent avoir la sécurité. Et le but, dans un monde qui change, est de faire du smart yachting une petite croissance pour l'entreprise actuelle, permettre à de nouvelles entreprises, de nouveaux entrepreneurs, de venir en principauté pour développer ces technologies, pour développer ces outils, pour développer ces solutions au service de l'économie monégasque. Ce programme est soutenu par la Fondation Prince Albert II. Les nouvelles technologies, dont le digital, permettent de mettre en œuvre la transition énergétique par l'adoption des énergies renouvelables et la protection des océans. La principauté entend ainsi renforcer son statut de capitale mondiale du yachting dans un esprit plus responsable. C'est à la fois la propulsion, comment réduire les dépenses énergétiques, quelles sont les alternatives au pétrole. Donc on suit attentivement les développements en termes d'hydrogène, mais aussi de panneaux solaires. Ensuite, le traitement des eaux, le traitement des déchets à bord de ces navires pour réduire au maximum l'impact de la haute plaisance sur les écosystèmes marins. Tel un laboratoire d'innovation, la principauté a le pouvoir de tester ses solutions. Cette année, par exemple, le Monaco Yacht Show couvrira une activité éco-responsable et intégrera le développement des marinas dans un écosystème durable. Et nous repartons maintenant en Nouvelle-Aquitaine, à Limoges plus précisément, où a eu lieu un mariage quelque peu insolite, celui de la porcelaine de Limoges et du street art, deux univers qui n'étaient pas destinés à se rencontrer, et cela aurait vraiment été dommage, vous allez le voir, une union à laquelle a assisté Alain Druot pour cette à Limoges, nos confrères sur place. Comme un éléphant, le graffeur n'est a priori pas à sa place dans un magasin de porcelaine. J'espère que ça va rendre bien, ces petites grenouilles, ces petits champignons et mon collègue qui fait un grand chaman à côté, je pense que ça peut être sympa. Le porcelainier Grégory Rosenblatt aurait pu peindre les murs de sa nouvelle manufacture en blanc. Mais il est amateur de street art et ça change tout. Nous, on rêve en bleu de four, en fait. C'est une couleur, c'est un savoir-faire, c'est une partie de l'histoire de l'entreprise avec le projet Jalonnement, notamment. Et quand il s'agit de mettre en valeur un savoir-faire lié à du design, lié à de l'art, lié à quelque chose de contemporain, bah en fait, c'est assez naturel. 30 graffeurs venus des six coins du pays ont travaillé tout un week-end. C'est extrêmement rare. On avait déjà eu cette opportunité à Bordeaux avec un fabricant de papier peint. Je pensais que ça m'arriverait qu'une fois dans ma vie, mais l'histoire se répète. Et le mur totalement vierge, il va devenir ça? Il va devenir ça, alors avec des graphes disséminés un peu aux endroits stratégiques de la composition, avec différentes déjà matières, on va garder un petit peu de ça sur notre composition finale. Et puis au centre, donc une composition figurative, un petit peu de style science-fiction, qui est un univers qui nous parle bien. Et dans un peu plus d'un mois, le site prendra vie avec le déménagement de la chaîne de production. Et puis un chiffre qui va vous intéresser dans ce journal maintenant. En France, seulement 2,1% des 27 millions d'actifs utilisent un vélo pour aller travailler. Un mode de transport plus écolo, certes, qui tend à se démocratiser dans les grandes villes notamment. Céline Charles de TV78 dans les Yvelines est allée à la rencontre de vélo-taffeurs, comme on les appelle, heureux. Regardez ce reportage. Allez, c'est en avant. Il est 8h et au lieu de monter dans sa voiture comme la plupart des Français, Christian enfourche son vélo. Tous les matins, il dépose sa fille à l'école et se rend au travail en vélo. Une pratique qu'il ne changerait pour rien au monde. Ça fait un an que je suis sur ce poste et ça fait un an que je viens tous les jours à vélo alors que j'ai un scooter, un bus direct, une voiture.
Franchement, une fois qu'on a pris le coup, bon, allez, il faut s'y mettre. On traverse quand même des beaux endroits. On a quand même une région qui est assez entre Bois d'Arcy et ici, c'est quand même assez arboré. Il y a pas mal de pistes cyclables, c'est tranquille, c'est détendu. Embouteillage, pollution, carburant ou encore stationnement, de plus en plus de personnes délaissent les moyens de transport habituels pour se mettre au vélo. Les avantages sont nombreux. On fait un peu d'exercice, c'est pas mal. On s'aère un peu l'esprit et le corps. Pas de navigo pour le transport, pas de parking, pas de klaxon, pas de bouchon. À l'arrivée, Christian dépose son vélo dans la vélostation de Saint-Quentin-en-Yvelines. Créée il y a 4 ans par l'agglomération, elle offre pour 30 euros par an de multiples services à ceux qui, comme Christian, ont fait le choix de se déplacer à vélo tous les jours. Le premier service, donc, c'est la consigne, dont monsieur bénéficie pour pouvoir garer son vélo en toute sécurité. Le deuxième service, ça va être donc la location de vélo. 3 types de vélos, vélo standard, vélo assistance électrique, vélo pliant. Et troisième pied donc, de la vélostation, l'atelier de réparation. Alors, vélo, transport en commun ou voiture, il n'y a plus à hésiter. Pour ceux qui seraient convaincus, la vélostation propose jusqu'au 22 septembre encore un vélo à 40 euros pour un an. Je vous le disais dans les titres de ce journal, de drôles de vaisseaux extraterrestres se sont posés dans les Vosges. En réalité, il s'agit de maisons-bulles classées aux monuments historiques et bientôt transformées en hôtels. En attendant de pouvoir y dormir, Aurélie Colombel et Hélène Leplat de Vosges Télévisions nous ont fait le tour du propriétaire. Regardez ce reportage. Installé sur cette île formée par la rivière de la Plaine à Raon-l'Étape, ce petit village intrigue. Les journées du patrimoine étaient l'occasion de s'approcher des maisons-bulles de l'architecte Pascal Hausermann. Ça fait mal au cœur de voir que de les voir partir comme ça en se délabrer finalement. Classées aux monuments historiques depuis 2014, ces constructions ont vécu de multiples péripéties. En 1967, ces chambres ont été construites pour servir d'extension à un hôtel. Elles inspireront dans les années 70 les créateurs de la famille Barbapapa. Les bungalows passent dans les mains de plusieurs propriétaires. Je l'ai connu à sa période qui était complètement envahie par la végétation. On voyait vraiment plus grand-chose du lieu. Puis ça avait un petit goût d'interdit parce que c'est une île, donc on ne peut pas franchir sans passer par la rivière, etc. Donc quand on est gamin et qu'on voit ça, ça a toujours le côté Barbapapa, enfin, qui rappelle tous des souvenirs d'enfance. En 2006, les bulles retrouvent leur vocation d'origine. Les propriétaires ouvrent le Muséum Hôtel avec un style des années 50-70. Toutes blanches, au moment de Pâques, elles étaient emmaillotées de rubans et autres pour faire les œufs. Et puis il y avait la chasse aux œufs pour les enfants qui se passait dans le secteur, c'était assez génial. Mais la structure hôtelière peine à être rentable, ferme en 2016 et finit par être vendue aux enchères. Un Parisien en fait l'acquisition. Le nouveau propriétaire a la volonté de rouvrir ce lieu au public comme en motel, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Les accords de travaux sont tombés, donc on va pouvoir attaquer les travaux en 2022 pour une ouverture pour l'été 2023. Le motel d'Hausermann retrouvera aussi son nom d'origine, l'eau vive, avec à la clé un nouveau décor intérieur pour ses logements insolites. Voilà, nous ouvrons une page de sport dans ce journal. Ce n'est ni du handball, ni du volleyball, ni même de la pelote basque. C'est sans doute un peu les trois à la fois. Le tchoukball, c'est le nom de ce sport inventé par un médecin suisse avec l'idée de créer un sport sans contact pour éviter les blessures. Et si le cœur vous en dit de vous y mettre, voici un petit lexique des règles expliquées au micro de 8 Montblanc. Regardez. Il n'y a pas de camp, on joue des deux côtés. De chaque côté, il y a ce qu'on appelle un cadre qui ressemble à un trampoline. Autour de ce cadre, il y a une zone qui fait 3 mètres. Et le but du jeu, en fait, c'est stratégiquement de faire circuler la balle sur le terrain pour arriver à tirer sur le milieu de ce cadre et que la balle ressorte de cette zone de 3 mètres pour marquer un point. La particularité, c'est que c'est un sport sans contact, donc il n'y a pas d'interception de jeu. En fait, on a la balle que quand l'équipe adverse a tiré ou a fait une faute. Et le but du jeu, c'est de se faire des passes. On a jusqu'à 3 passes pour faire circuler la balle et créer des opportunités dans la défense pour pouvoir marquer un point. Vous l'avez vu dans les titres, sport toujours dans ce journal, mais cette fois-ci sur l'eau, avec des images de notre consoeur Élise Denis pour TLC. Ce tout jeune champion de ski nautique n'a que 14 ans. Pierre-Louis Germain, originaire de Cholet, a été médaillé de bronze au championnat d'Europe cet été et il prépare les sélections des championnats du monde qui auront lieu l'année prochaine. On lui souhaite donc bonne chance pour la suite qui s'annonce des plus prometteuses pour ce jeune champion. J'ai commencé à 8 ans et demi le ski nautique, en vacances en Corse. J'ai bien aimé, donc j'ai voulu en refaire. On a découvert le club de Cholet. Et donc ensuite, je suis venu ici. Après, j'ai bien aimé, donc j'ai continué.
J'ai commencé avec un tour environ toutes les semaines. Après, ça devenait tous les jours. Et ensuite, après, on partait à Bordeaux le week-end. Voilà, et pour cette fin de journal, on se quitte sur des images assez étonnantes. Celle d'une marionnette qui, il faut bien le dire, est loin de passer inaperçue. Et pour cause, elle mesure 3,50 m de haut. Amal, c'est son nom. Elle représente une enfant syrienne qui fait un périple de 8000 km à travers l'Europe pour sensibiliser sur le sort des migrants. Guettez-la parce qu'après son passage par Marseille, avec des images que vous voyez sur cet écran réalisé par William Pugioni de La Provence, eh bien elle doit se rendre à Briançon, à Lyon, à Strasbourg, à Charleville-Mézières et à Paris. Voilà, c'est la fin de ce Grand JT des Territoires. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes TNT et sur TV5 Monde. On se retrouve pour une prochaine édition. Bon courage à tous, au revoir.